Radio Calvo, enfin quelqu'un. Veuillez me pardonner, monsieur, mais nous nous rendons à Ostrevent. Je crois que nous nous égarons. Diable oui, nous sommes Heiderdebad. Je crains fort que vous ne puissiez vous rendre à pied à Ostrevent. Mais nous avons de la famille qui nous attend ce soir, c'est ennuyeux. Je me ferais une joie de vous accueillir chez moi. Mon nom est Corcas, j'habite derrière le bois. Vous repartirez demain à l'aube. Oui, entendu, c'est plus sage. Installez-vous à l'arrière. Plutôt austère. Bonsoir. Je vous ai fait peur? J'en suis désolé. Je suis Jean, le frère de Corcas. Vous avez en effet un air de famille. Nous sommes du même sang. Laissez-moi vous aider. Merci. Je vais vous installer dans la chambre la plus confortable du château. Suivez-moi. Domine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Judicame. Deus, que dites-vous? Oh. Tu m'as surprise. Je méditais, si j'ose dire. Toute la vie est dans ce livre. Tu te plais ici? Oui, c'est tranquille, reposant. Qu'est-ce que j'entends? Deux hommes si tard par ici? Ils ne peuvent être que perdus. Je vais prévenir nos sauveurs. Ils pourront sans doute les aider. Quelle belle marche finale, n'est-ce pas? Vous m'avez fait peur. Ce ne sera que la seconde fois. Notre rencontre imprévue n'a pas été un événement si fâcheux. Je dois même dire que je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Vous faites revivre le château. Je dois comprendre que vous me faites un compliment. Ce soir, nous avons finalement quatre hôtes à notre table. Vous venez? Très bien. Je vous en prie. Tu te trompes, elle est comme les autres. Elle rejoindra bientôt les voyageurs qui étaient perdus, comme elle. Je remercie le ciel de m'avoir placé sur votre route. Ainsi, vous êtes archiviste. J'ai la passion des livres. Petite déjà, j'empruntais discrètement le missel de maman et je... Au fait, mais je ne me suis pas présentée. Vivienne de Barbezieux. Et voici ma petite fille, Mao. Et comme vous, nous nous sommes égarés près du bois. Je regrette juste de ne pouvoir rassurer la famille sur notre sort. Demain, ils seront soulagés. Quel est le charmant jeune homme qui vous accompagne? Mon disciple, Ambroise de Bestan. Vous chantez très juste, jeune homme. N'est-ce pas, Mao? Oui, grand-mère. Bientôt la fête pourra commencer. Je m'instruis beaucoup en vous écoutant, professeur. À bien y réfléchir, je pense que tout ce que je ne connais pas m'intéresse. Et comme je ne connais pas grand-chose... Ne soyez pas modeste. Messieurs, je ne dirai qu'un mot. Bravo. Ce fut un vrai festin. N'est-ce pas, Mao?
Oui, un vrai festin. Vous avez véritablement le sens de l'hospitalité. Votre élève n'est guère bavard. Il est timide, voilà tout. Le temps semble se gâter. Très juste. Le ciel nous tomberait sur la tête. Messieurs, au risque de vous paraître impolis, je crois que nous allons prendre congé de vous. Laissez-moi vous éclairer le chemin. En toute logique, je pense que nous allons également regagner notre chambre. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Merci. C'est tout naturel. Finalement, cette mésaventure n'a pas été si désagréable pour vous. Mais du tout. Je vous comprends. Moi-même, je désirais parfois un peu d'imprévu, mais... Qu'est-ce qui vous en empêche? La vie. La vie. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Cela semble vous déranger? Non, je sais pas, mais je... J'ai seulement étonné de constater qu'à mon âge, on découvre encore. C'est un point de vue qui vous honore. Que faites-vous? Je vous regarde, tout simplement. Mais il m'en faut pas, mais c'est pas raisonnable. Mais pensez à moi! C'est plus sage. C'est juste un moment d'égarement. Angoisse, il y a une solution. Tu es troublé par cette jeune fille. Tu voudrais l'aimer comme un homme, mais tu sais ce que tu es. Tais-toi. Elle est pour toi une illusion à laquelle tu t'accroches. On ne vit pas d'illusion. Je ne peux plus la laisser seule maintenant. Réponds-moi. Réponds-moi. C'est fait? Oui. Parfait. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Moi aussi, c'est fait. Le petit professeur ne nous sera plus désagréable. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Mais... Voulez-vous partir avec moi? Tout de suite. Mais que s'est-il passé? Rien. Rien, je vous assure. Je ne peux pas vous croire. Calmez-vous.
Ma grand-mère, où est-elle? Calmez-vous, je vous en prie. Vous êtes en danger. Qu'est-ce qui te prend? Je vois, tu veux plaire à ta protégée. Je t'interdis. Comment? Et depuis quand tu interdis? Tu vois, petite, il ne faut jamais se fier aux apparences. Il te semble pur. Mais ne t'y trompe pas. Il est pire que moi. Il te salit. Sauve-toi! Ils ont tué, je les ai vus! Pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas humains! Ils ne restent pas là! Vous manquez de politesse? Vous avez oublié de me dire au revoir? Ce n'est pas gentil. Qui êtes-vous? Ah, je vois. Vous voulez dire adieu à votre bien-aimé. Eh bien, vas-y, parle! Prononce comme tu sais si bien le faire! Tes belles phrases envoûtantes! Je vous maudis! Pardon.